compatibles. En 2007, au moment de la mise aux normes, nous avons eu en même temps une opportunité d'agrandir notre exploitation. Nous avons donc modifié tout notre système et nous sommes passés sur une alimentation avec un tapis pour un problème de rénovation de bâtiment avec un problème de largeur pour pouvoir alimenter les animaux. Le tapis donc est alimenté par une trémie qui est à l'origine une remorque distributrice mise sur pied et sur lesquels il y a un système de pesée, un système de seal and block pour amortir les chocs. Cette remorque là donc, cette trémie là alimente le tapis qui après passe devant les vaches pour alimenter tout le troupeau. Il est tiré par un câble qui donc passe sous le système de loge, donc sous loge, et il fait donc un système de va-et-vient, c'est-à-dire qu'il se renroule lorsque l'on veut redistribuer un nouveau repas.